De belles surprises seront dévoilées lors du prochain salon de l'automobile de Tokyo en janvier 2022. Si toutefois la pandémie du Covid-19 n'impose pas à nouveau un report ou une annulation de l'événement. Le constructeur japonais Subaru a annoncé que son aile de performance Subaru Technica International allait dévoiler le concept STI ERA, qui a été développé pour pouvoir lancer un nouveau projet dans le but d'acquérir de l'expérience avec les nouvelles technologies en vogue dans l'univers sportif automobile, essentiellement dans un contexte où le sport se dirige vers une ère de carboneutralité. En effet, la protection de l'environnement étant au cœur des débats, les constructeurs automobiles s'électrifient de plus en plus et s'affairent à développer des modèles 100% électriques pour réduire leur émission de CO2. Ce nouveau modèle de course est inéluctablement un produit unique et innovant. Un véhicule doté de phares anguleux en distingue également des bouches d'extraction d'air sur le capot, mais l'originalité réside dans le lancement d'une sportive électrifiée. Pour l'heure, seule une photo teaser a été publiée. On y entrevoit la face avant de la voiture derrière un écran de fumée. Si le marché de l'automobile a été impacté par la pandémie du Covid-19, la chute actuelle semble surtout venir de la pénurie des composants. Les clients désireux d'acquérir des voitures neuves sont confrontés à une pénurie des stocks chez les concessionnaires, une conjoncture qui accentue la croissance des ventes des véhicules électrifiés. Face à cette déficience, les constructeurs privilégient la production de modèles à plus haute valeur ajoutée, qui sont donc justement électrifiés.